troisième, c'est dans mon œil. On va se mettre de quoi hydrater les lèvres quand même, histoire de ne pas avoir des crevasses. Coucou les petites mules, j'espère que vous allez bien. Une vidéo make-up. Tout s'écroule. Je vais essayer d'être claire et le plus clair possible. J'ai été taguée par Sarah Magic Makeup. Je vous mets la chaîne juste ici. Comme ça, vous n'avez pas de faute d'orthographe quand vous tapez et vous la retrouvez facilement. De toute manière, elle sera également dans la description. Elle m'a taguée pour le challenge Get Ready With Me, avec mon anglais approximatif. Bilan 2019. Oui, nous faisons ça très tardivement. Il y a plusieurs questions. Je vais me maquiller en même temps. Alors, je pense que je ne vais pas faire un make-up mise en beauté. Vous connaissez mon amour pour la mise en beauté. On va faire quelque chose un petit peu plus artistique. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir, donc voilà. J'ai une marque de bronzage parce que actuellement je suis sur une île paradisiaque qui est l'île de la Réunion, et oui, je suis de nouveau de retour ici, confinée au paradis, c'est nickel. Sarah Magic Makeup, je la suis également sur Instagram. Elle a des visuels et une chaîne vraiment... Faut absolument que vous alliez voir ça. Si vous aimez ma chaîne, vous allez forcément voir le niveau. On est toujours en train de se balancer des compliments sur les réseaux sociaux parce qu'on se suit depuis les NYX Face Awards. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est excellent ce qu'elle fait vraiment. Je suis en pleine admiration parce qu'au niveau body painting, c'est le level... Wow. On va commencer la vidéo, je vais retirer les lunettes et puis on va commencer. Il y a plusieurs questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah c'est vrai, il y a une dizaine de questions. On est parti? On est parti. Je vais prendre la primer base. On va se mettre une petite brume de chez MAC, c'est la Prep Prime, pour fixer, hydrater tout ça, rafraîchir un peu la peau. Et je vais m'en mettre un petit peu tout le long du make-up, histoire de fixer un petit peu toutes les étapes que je fais. Et je vais prendre la HD Studio Photo de chez NYX. Elle est un petit peu verdâtre. J'ai les mains propres, donc on étale à la main. La première question, quelle était ta première vidéo de 2019? Je n'en sais rien du tout, il faut que j'aille voir. Ça doit être certainement un body painting ou un... Non, un belly painting, je pense. Ma chaîne, elle est où? Allez, ma chaîne en 2019. Qu'est-ce que ça dit? Je suis verte. Il y a 3 mois, il y a 4 mois. Non, il y a 8 mois, il y a 10 mois. On s'approche. Il y a 11 mois, il y a 1 an. Donc, au 31 décembre, c'était la vidéo récapitulatif des petits motifs que j'avais fait sur les jambes sur l'île de la Réunion. Qui s'appelle Dernière vidéo body painting sur l'île de la Réunion. Deuxième question, quelle a été ta vidéo favorite de 2019 sur ta chaîne? J'ai déjà une petite idée bien avant de voir les visuels, celle des NYX Face Awards. J'ai fait deux challenges, trois, deux, et plusieurs make-up, parce qu'il faut dire que premier challenge des Face Awards est libre. Je vais revenir juste un petit peu en arrière pour expliquer, parce qu'il y en a peut-être qui débarquent, qui ne connaissent pas les Face Awards. Alors c'est la marque NYX Cosmetics qui organise ça, c'est international, alors on commence pas tous à la même période. Le premier challenge doit être filmé en vidéo, il y a une sélection qui est faite, et après vous rentrez dans le top 30. Et à partir de là, on vous donne un thème et on vous impose les challenges. Le premier était libre et j'avais fait ce maquillage-là. Comme Sarah, effectivement, les NYX, et je pense que comme beaucoup d'entre nous, c'est vraiment un concours. Quand on fait partie du top 30, on a les cadeaux, on a la soirée, un concours qui s'étale sur plusieurs mois. Et on crée un groupe avec les différents participants, et puis c'est vraiment, il y a une ambiance qui est super géniale. Un point fort depuis 2 ans. Qui fait partie de ma vie, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos à chaque fois que je parle de moi, je suis autodidacte. C'est une fierté parce que c'est une reconversion, j'étais secrétaire comptable avant. Du coup, de pouvoir travailler de sa passion, eh bien, c'est quelque chose de formidable. Rentrer dans ces concours-là et puis de se dire que des jurys ont remarqué votre travail, vous faites partie d'un top 30 sur... Je sais pas, il devait y avoir 200, 300, 400 vidéos. Et oui, ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Pour l'ego, ça fait du bien. Le bilan 2019, ça va être un petit peu comme le bilan 2018. Je vais beaucoup vous parler des NYX Face Awards. À votre travail, quand
vous avez une prime ou des félicitations ou une distinction, vous avez de quoi être fier, franchement. On va commencer à foncer un petit peu les côtés. Je m'étale, c'est sûr, je m'étale. On revient sur la vidéo. Alors, quelle vidéo t'a fait sortir la zone de confort? J'y ai plus ou moins répondu, c'est toujours l'énix. C'est vraiment des techniques qui me font sortir de ma zone de confort. J'ai vraiment essayé d'utiliser la technique des make-up artistes et non des body painters. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup plus avec des dégradés au pinceau, des fards avec des poudres libres, des choses comme ça. Beaucoup plus de matériel pour le maquillage artistique que pour le body painting. Je suis à l'aise avec mes fards à eau et d'ailleurs je vais essayer d'en utiliser dans ce maquillage-là. Je suis pas très à l'aise avec tout ce qui va être eyeliner, rouge à lèvres, poudre libre, des choses comme ça. Ah oui, en 2019, alors c'était quand ça? J'ai fait les Funimous, les Funimous, on dit ça comme ça, ouais. Et c'était quand ça? C'était en novembre 2019. Je vous invite à aller voir, je vous montre quelques extraits, mais je vous invite à aller voir ces vidéos un petit peu humoristiques. Et c'est entre le lips art, une parodie de body painting. En fait, je pense que je vais essayer d'en refaire. Alors c'est vrai que c'est des vidéos qui m'ont fait sortir de ma zone de confort parce que travailler juste sur la bouche et surtout la sienne, c'est pas quelque chose d'évident. Et puis j'ai essayé justement, comme j'ai des narines qui sont quand même assez, vous voyez, relevées. Et c'est pas évident pour certains maquillages, parce que certains maquillages où on couvre justement le nez pour faire des effets spéciaux ou des trompe-l'œil, d'avoir des narines trop grandes, bah c'est pas l'idéal parce que bah, ça vous fait deux trous noirs et il faut jouer avec ça. Et si par exemple vous faites un visage et que les deux trous noirs se retrouvent sur le front, c'est trop visible et bah du coup voilà, j'ai essayé de jouer avec ça. Ouais, use mon anti-cerne. Il est peut-être un petit peu trop clair, ouais. Alors, question suivante. Quelle vidéo as-tu publiée à ton anniversaire ou proche? Qu'est-ce que j'ai fait cette année pour mon anniversaire? Ah bah pas grand-chose en fait. En 2019, j'ai pas fait grand-chose pour mon anniversaire. Bah écoutez, mon anniversaire c'est le 27 mai. J'ai le Belly Painting Sing, les Face Awards. C'était quoi la dernière question? Je sais plus. As-tu découvert de nouveaux créateurs en 2019? Mais tellement. Déjà beaucoup par les NYX Face Awards. Je crois que je vais faire une petite pause café. Hop, on va éloigner le téléphone. Le Ménestrel, le gagnant des NYX Face Awards de 2019. Il y a Tom Illusion, Chloé qui est de Rouen. J'ai suivi récemment. Il y a plein de tatoueurs. Parce qu'en 2019, j'ai fait ma formation en tatouage pour pouvoir travailler dans le domaine. Je le fais pas encore. Je fais beaucoup de dessins, comme vous le savez. Je dessine beaucoup pour des tatouages et j'ai dessiné pour des tatoueurs également. J'ai dessiné d'ailleurs mes tatouages et mes futurs tatouages également. Je vais y arriver. Je m'excuse si je cite pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Je vais prendre la poudre de chez NYX, la couleur je n'en sais rien du tout. Prochaine question. As-tu découvert de nouvelles marques en 2019? Découvert, non, parce que je connaissais déjà, mais utilisé. Si je pars de mon domaine, le body painting, les superstars, j'en avais entendu énormément parler et j'utilisais jusqu'ici que le FX Diamond et Kiyomi. Ouh, ça a rafraîchi. Quel est ton meilleur souvenir relié à YouTube en 2019? Bah justement, on parlait de la marque Superstar, les crayons dermatographiques Pencil de Superstar. On a quelque chose qui va monter comme ça. La Casa de Papel. Combien de vidéos as-tu posté en 2019? Une moyenne de 3 par mois. Alors, ça fait combien de vidéos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sur cette chaîne, à peu près une trentaine. Un petit peu plus de 2 vidéos par mois. Sur cette chaîne-là. Après, je pense que pour la chaîne Baby King Steph, il y en a beaucoup moins. Parce que j'ai eu une période de quelques mois où je n'ai pas posté du tout. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup trop de travail. Et puis sur Instagram, bah de plus en plus, je poste des vidéos maintenant. Mais en 2019, j'ai dû en poster 2 ou 3. Question suivante. Est-ce que j'avancerai pas un petit peu et puis je vous reprends après?
Pourquoi il y en a toujours un qu'on met facilement et l'autre non? Le mascara de Chanix, évidemment. La dernière question. Qu'est-ce qui t'a rendu fière en 2019? Bon, je vais pas revenir sur les NYX Face Awards. Mais oui, je sais, j'en suis très fière quand même. Évidemment, je vais mettre des grosses lentilles que j'aurais dû mettre au début. Ne pleure pas, Jeannette. Non, on n'a pas pleuré, c'est bien. Juste un petit zigougou ici. Ah, mon Dieu. Ce dont je suis le plus fière, eh bien, sachez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vais vous mettre des extraits, j'ai gagné le premier prix. Ah, ça tient pas. J'arrête pas de goûter du nez. Ah, la classe. Donc, en mai, juin, j'ai été à la Japan Expo et il y a le festival Body Paint qui organisait un concours de body painting. Et j'ai gagné ce concours de body painting. J'ai gagné la technique mix éponge airbrush. J'en suis, pareil, très fière. Je suis très fière également parce que je suis arrivée sur l'île de la Réunion et que j'ai commencé à travailler tout de suite. Les gens, certains, connaissaient déjà mon travail. Alors je sais que j'ai une communauté réunionnaise sur ma chaîne. Et d'ailleurs, coucou le 974. Donc voilà, j'espère qu'on va se détacher les cheveux. Et puis on va essayer de se faire une coupe approximative. Je vais prendre quelques photos que vous allez retrouver sur mon Instagram. Oui, ou pire, je vais peut-être faire juste deux petites couettes. Voilà, ce make-up est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Une nouvelle fois, merci Sarah de m'avoir tagué. Je vais taguer à mon tour en mode Thomas et Julien Make-up s'ils veulent bien suivre le challenge aussi. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On va aller faire quelques photos. J'ai l'impression que mon éponge elle s'effrite. Enfin, c'est pas une impression, mais elle s'effrite. J'ai une petite bébête dans la pièce où je suis. Donc si vous voyez une petite mouche passée, bah c'est... Vous me dites. Hop, avec mes petites oreilles d'extraterrestre. Bon, j'en ai un tout neuf. Alors j'ai le médium moyen.